On aurait pu se dire tout ça ailleurs qu'au café d'en bas. Que t'allais peut-être partir et peut-être même pas revenir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on pouvait en rire. Alors on va se quitter comme ça, comme des cons devant le café d'en bas, comme dans une série B. On est tous les deux mauvais. On s'est moqué tellement de fois des gens qui faisaient ça. Mais je trouve pas de refrain à notre histoire. Tous les mots qui me viennent sont dérisoires. Je sais bien que j'ai trop dit, je te dis quand même. Merci. Moi aussi. On m'avait dit, te pose pas trop de questions. Tu sais, petit, c'est la vie qui te répond. À quoi ça sert de vouloir tout savoir? Regarde en l'air et vois ce que tu peux voir. Qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça à un enfant qui croit vraiment ce que disent les grands? On passe sa vie à dire merci. Merci à qui? À faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui l'on manque. Si ce soir j'ai pas envie de rentrer tout seul, si ce soir j'ai pas envie de rentrer chez moi, si ce soir j'ai pas envie de fermer ma gueule, si ce soir j'ai envie de casser la voix. Casser la voix, casser la voix, casser la voix. Plus fort. On va pas...
casser la voix tout de suite, on a encore besoin de lui. Il va venir chanter tout à l'heure. Daniel Lavoie, Morane, Linda Lemay et Patrick Bruel. On les retrouvera tous dans peu de temps pour cette grande fête de la chanson Paris-Québec sous les étoiles.